السلام عليكم أعزائي المتتبعين أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة في هذا الفيديو ستتعلمون إن شاء الله متى تستعملون و ومتى تستعملون أن شيخ تلي سبيكتاتور كو فوزالي توس بيان دون سيت فيديو فوزالي أبخاندر كون إتوليزي إغراق إي كون إتوليزي أن قبل أن نبدأ يجب أولا أن تعرفون أن Ou en tout cas, nous avons dit que les Y et Y sont des pronoms. C'est-à-dire que leur nature grammaticale est un pronom. Ce sont des pronoms. Qu'est-ce que ça veut dire un pronom Nous avons dit que les pronoms sont des pronoms. Nous avons dit que les pronoms sont des pronoms. Donc, le pronom, c'est un mot qui remplace un nom pour éviter la répétition dans une phrase, bien sûr. Très bien. Et donc, avant de commencer... أو أن نعرف متى نستعمل إيكغيك و أون هناك نصيحة يجب أن تعرفونها هو عندما نتعلم فعل جديد كونتون أبقون أن نوفو فارب إيل فو سافوار يعني يعني كيف أو تركيبة هذا الفعل نقصد بالتركيبة يعني هذا الفعل يستعمل مع دو ولا يستعمل مع أ Par exemple, le verbe parler. Le verbe parler, il est utilisé avec deux. D'accord Dans un premier temps, on dit parler de quelque chose. D'accord Parler de quelque chose. Et on a le verbe, par exemple, penser. On dit penser à quelque chose. Donc, le verbe la construction du verbe parler, c'est parler de. Et la construction du verbe penser, c'est parler. J'espère que c'est très clair parce que ça va vous faciliter euh, quand utiliser y et quand utiliser en. On commence par le pronom en. Alors le pronom en, il remplace un nom introduit par, là, avec, 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 avec préposition, a deux. Donc il est le nom vous parlez de l'examen. Regardez bien ici. Vous parlez de l'examen. Pour, pour ne pas répéter euh, l'examen, qu'est-ce qu'on a dit Oui, j'en parle. Oui, j'en parle. Donc ici, on a utilisé le pronom on. Pourquoi Parce qu'on a... Examen introduit par deux. Donc, quand on a un nom introduit par deux, on le remplace par en ». Deuxième chose, انتنية, on a le pronom, qu'on appelle l'article le, contracté du. Ça veut dire de le. Et on a de là et on a des. Pour du et de là, on va dire des articles partitifs. Article partitif, أن نعبيرا, أنستعمل, euh, Par exemple, on dit je mange de la viande. Donc de la, de la, c'est un, c'est un, un article partitif. Ou je dis par exemple je mange du gâteau. Je mange du gâteau. Du, un article partitif c'est bien clair. Donc ici c'est un pronom, c'est un article qui est partitif qui exprime l'utilisation de la portion. Très bien. Et on a des euh, des les articles indéfinis euh, qui exprime une quantité qui est indéfinie. Moḥdil kimiya rir ma'arofa. Et euh, on a le pronom en utilisé quand on a un nom introduit par deux. Par exemple, je dis je parle de l'examen, oui j'en parle. On a une a ce que par exemple on dit, vous parlez de, vous parlez par exemple de Kerim, on a un dit de. a un un On a une personne and now, le yonkinous tiemel, le pronon on. elle est une personne. c'est un aurodoha, un pronon on, qui est un pronon tonique. un pronon tonique, je nomme les pronoms toniques. moi, moi, toi, lui, ou elle. d'accord, nous il vaut bien sûr, et on a e, e, plutôt e, u, x, y, n, o, u, l, elle » avec s, ou Donc... Je vous parler de Karim, ma غاديش نقول vous en parlez ou oui nous en parlons. Non, غادي نقولوا nous parlons de lui. Oui, nous parlons de lui. لاحظوا هنايا ما عوضتش Karim ب on. كيف ما وقع vous parlez de l'examen, oui j'en parle. Ila kanat 3 par exemple vous parlez de l'examen, nqdar nst3mel nous oui nous en parlons. Vous parlez de Karim? Oui, nous en parlons de lui.

vous avez de la viande. Je vous C'est un article partitif. De la viande. Oui, nous en avons. Vous avez de la viande. Oui, nous en avons. Donc, je vous mets On qu'est-ce Viande. Allez, c'est le L'article partitif de la. Ok, maintenant, je vais vous dire. On dit deux qui m'ont dit. Et du thé. Je vous mets l'article partitif. Les as-tu dit ou 2, plus le. Regarde les articles nominaux qui m'a contracté, contracté, article contracté. Et du thé aussi nous en avons aussi nous en avons. Je vous mets un, il remplace aussi t. Vous voyez? Est-ce qu'il reste des œufs? E? Je vous regarde un Une quantité indéfinie une quantité indéterminée ou indéfinie. Donc, Donc, une quantité Est-ce qu'il reste des œufs Je mets Donc, quel Donc, combien d'œufs On ne pas. Donc, une quantité une indéterminée. Oui, il en reste 10. Oui, il en reste 10. Donc, regardez bien que si on remplacent il remplace les œufs. Vous voyez pourquoi Parce qu'on a cet cet article Indéterminé Plutôt article indéfini Qui, qui, qui exprime une quantité indéterminée Est-ce que tu as acheté une voiture Je vous mets ici cet article indéfini les est une Je dis une voiture féminine Est-ce que tu as acheté une voiture Oui, j'en ai acheté une Donc vous voyez bien que en, ici Il remplace bien sûr la voiture Oui, j'en ai acheté un pour ma femme donc لاحظوا معايا هنا في كل لحظه ملي كنستعمل ان ارتيكل انديفيني لاحظوا معايا كان من الاحسن او خصني نبريسيزي لو نومبر من بعد يعني هو هو كان كميه غير محدده ولكن انا ملي كنجاوب كنحدد الكميه ايش كيل غيس دي زو واش واش مازال عندك البيض وي اي لونغ نعم بقي منها 10 دونك تنحدد العدد لانه في الاول كان غير محدد فانا في الجواب ديالي كنحدد اسكو tu as acheté une voiture donc هنا شوفو ارتيكل انديفيني دونك ان كونتيتي انديتيرميني وي جوني اشتي اون حيت نقدر نقول وي جوني اشتي دو نحدد العدد ديال لي فواتور Pour ma femme. Donc, préciser ici, vous devez faire attention à cette remarque. Préciser le nombre après la réponse. Donc, en soi, on dit oh, je, oui, j'en ai, euh, oui, ai acheté une, j'en ai acheté deux, j'en ai acheté trois. Est-ce qu'il est qu reste 10 euh, Oui, il en reste 10, il en reste 2, euh, il en reste 3, et ainsi de suite. Donc, voilà les cas où on utilise le pronom en. Donc, le pronom on est utilisé quand on a un nom introduit par deux, introduit par du, introduit par de la, un nom introduit par des, par un ou par une. Et n'oubliez pas que si un nom de personne introduit par deux, ici on n'utilise pas en, mais on utilise un pronom tonique. Très bien. On passe maintenant à, à notre pronom qui est euh, y. Alors y il remplace un nom introduit par la préposition a. Il m'a quatre dit un nom les rois. D'après la phrase, on préposition a ou la o a u bien sûr on a a le c'est c'est l'article le de o d'accord ou par exemple « la d'accord on va voir un exemple vous vous préparez à l'examen donc je vous mets le verbe y transitionnel le verbe se préparer se préparer à donc la construction de ce verbe c'est se préparer à très bien vous vous préparez à l'examen. ou là on peut par exemple on dit au concours vous 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 préparez au concours la réponse d'abord parce que je n'en ai l'examen », je n'ai pas ce mot examen je vais prendre je vais prendre le pronom y oui nous y préparons donc y qu'est-ce qu'il remplace il remplace L'examen. Là, je y. est qu'on dit se préparer à? quand on a à, on utilise directement le pronom y. C'est le premier cas, Il le a, ce qu'on appelle euh, un nom de lieu. D'accord? Par exemple, on a. Tu pars en France. Tu pars en France. Oui, j'y vais. Et toi, où passes-tu tes vacances?

y. Oui, j'y vais. On dit pas oui, j'en vais. Non. Oui, j'y vais. À l'époque de France, c'est un lieu. Dans le cas de l'établissement, c'était un lieu. Toutes les expressions de lieu, on les répète avec le pronom Y. Oui, j'y vais. Et toi, où passes-tu tes vacances? Je les passe aux États-Unis. Regardez ici, O. L'asile d'O est A plus les. C'est un article contracté. C'est-à-dire, un article contracté

Euh, fatra. Donc, Y ici, qu'est-ce qu'il remplace Il remplace États-Unis. Vous voyez pourquoi Parce qu'on a passe euh, A aux États-Unis. Bien sûr, on a, a ici plus les. Très bien. Euh, J'y vais souvent en été. Et tu y vas à quelle période La réponse est, est Y démarre les États-Unis. J'y vais souvent en été. Donc, Y aussi, il, il remplace États-Unis. Quand vas-tu au cinéma Donc, elle dit déjà le mot, la préposition A. Quand vas-tu au cinéma J'y vais ce soir. J'y vais ce soir. Donc, Y, il remplace cinéma. Donc, ce sont des expressions, ou plutôt des noms de lieux. Et les noms de lieux, ils sont remplacés par le pronom Y. D'accord Donc c'est le, le deuxième cas. On a, vu, on a vu le premier cas quand on a un verbe qui est construit par A. On utilise bien sûr le pronom Y. Par exemple, je vous donne un autre exemple avec le verbe penser. Par exemple, on dit l'étudiant pense à, à quelque chose. L'étudiant pense euh, par exemple à l'examen. Vous voyez? Donc ici, qu'est-ce qu'on va, pour remplacer le, 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 le nom, l'examen qui est introduit par A, on va dire l'étudiant y pense. Donc on a utilisé le pronom Y. Pourquoi? Parce qu'on a le nom examen introduit par, par A, bien sûr. Donc j'espère que vous avez bien compris. Je récapitule. Le pronom Y est utilisé quand on a un verbe construit avec la préposition A et quand on a euh, les noms de lieu, bien sûr. Euh, le pronom en est utilisé quand on a un verbe construit par la préposition de. Donc, quand on a un nom introduit par de un nom introduit par du par de là et par des ce qu'on appelle des articles partitifs. Et des articles indéfinis. J'espère que vous allez bien, compris. Donc, n'oubliez pas aussi que le pronom y et le pronom en, leur place dans la phrase est entre le sujet et le verbe, entre le sujet et le verbe. N'oubliez pas, c'est une remarque importante. Donc, je vous l'ajoute ici. Ici, euh, y et en se placent se place ou entre le sujet et le verbe. Euh, vous vous préparez à l'examen Oui, nous nous y préparons. Donc ici on a le sujet et on a y entre sujet et le verbe. D'accord Même chose pour on. Vous avez de la viande Oui, nous en avons. Donc nous sujet et avoir le verbe en entre sujet et verbe. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau des commentaires. Je vais y répondre dans les plus brefs délais. Aïza il moutatabbihin, l'histo Chers téléspectateurs, N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles leçons. Au revoir.